Pourquoi Pierre a marché sur l'eau? Pourquoi l'apôtre Pierre, donc, d'aller a marché sur l'eau? Parce que d'aller, ça veut dire la pierre, dans le rocher, le caillou, ce qui est lourd. Là, en ce moment, il devait être digne de son nom. Il devait lutter contre son propre nom. Là, déjà. Il devait lutter contre son propre nom. Parce que son nom est lourd. Son nom est lourd à porter. Son nom, c'est la pierre. Et on sait qu'une pierre ne va pas marcher sur l'eau, ne va pas se poser sur l'eau. Donc, là, il a fallu qu'en tant que pierre, la pierre puisse se poser sur l'eau. La pierre puisse se poser sur l'eau. Donc, il dit, viens. Donc, d'elle aussi a marché sur l'eau. D'elle aussi a marché sur l'eau. Mais dans l'histoire, on nous dit que non, il n'y a que Christ qui a marché sur l'eau. Non. Pierre aussi a marché sur l'eau. L'autre, il a ressenti ce que ça fait de marcher sur l'eau. Puisque d'habitude, il plongeait dans l'eau. C'était un pêcheur. Maintenant, il sait ce que ça fait de poser ses deux pieds et de marcher sur l'eau. Il sait ce que ça fait. Ah, c'est agréable. C'est comme si tu marchais sur le gros coton, comme ça, là. Pas.